Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié et nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'au feu du Seigneur y soit chauffé. Si parfois nous pleurons jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons, nos amis vont nous remonter. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié et nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'au feu du Seigneur y soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, là au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié et nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'au feu du Seigneur y soit chauffé. Quand un jour, tôt ou tard, nous devrons nous séparer, nous saurons au départ que ce sera pour nous retrouver. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié et nous présentons nos cœurs au grand brasier pour qu'au feu du Seigneur y soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, célébration Nouvelle Mémoire. Avant le 29 juillet, c'était la mémoire de Sainte-Marthe. Depuis l'an passé, la mémoire se nomme Sainte-Marthe, Marie et Lazare. Donc, toute une famille qui accueille Jésus dans ses pérégrinations, voilà qu'il a un point où il peut descendre, où il peut être lui-même, où il peut avoir des amis sur qui compter. Oui, Jésus a aussi besoin d'amis. Alors, aujourd'hui, vous comprendrez que notre célébration sera tournée autour de l'amitié. Prenons un instant. Approchons-nous du Seigneur, celui qui veut être notre ami. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare, qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions, accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères, et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie, par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu
et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Comment laisses-tu mourir un fruit à peine mûri? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir. C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. N'as-tu pas calmé la mer et commandé au figuier? N'as-tu pas déjà ouvert les yeux de l'aveugle né? Je ne suis que l'envoyé, et ma force vient du Père. Si c'est là sa volonté, qu'il revienne à la lumière. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Si tu n'avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais qu'un jour viendra où Dieu lui rendra son corps. Et moi je te dis qu'il dort et qu'il entendra ma voix. Il se lèvera encore, il s'avancera vers moi. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Marthe, Marie, Lazare, une seule et même famille. Une seule et même famille qui accueille Jésus. Ah, bien sûr, on dit que c'est Marthe qui accueille dans sa maison, que c'est la responsabilité de Marthe d'accueillir. Marie est là juste pour écouter. Mais voyez-vous, pour Jésus, ce sont des amis chers. Au moment où Jésus se présente au tombeau de Lazare, il fut ému. Et oui, Jésus fut même ému. Il ne reste pas insensible devant la mort humaine. Il ne reste pas insensible devant ce passage de la mort. Même Jésus qui connaît le chemin de la résurrection, même Jésus qui connaît le chemin que prendront les hommes, reste ému devant la mort. Alors, on n'a pas besoin de se cacher, d'avoir de la peine quand quelqu'un nous quitte. C'est déjà la preuve d'un grand amour. C'est déjà le moment, c'est déjà le temps de dire que l'autre a du sens pour nous. Dans notre vie de pasteur ou dans notre vie quotidienne comme baptisés, nous sommes toujours occupés. La routine prend sa place et c'est difficile d'en sortir. À chaque jour, nous avons quelque chose à faire, que ce soit le travail, que ce soit les cours, que ce soit l'implication dans un sport. Nous avons toujours quelque chose à faire. Mais voilà qu'il faut se garder ces oasis, ces lieux de paix, ces lieux où on peut venir se déposer avec des amis. Les amis, ce ne sont pas des connaissances. Les amis, ce ne sont pas des gens vers qui nous allons à reculons ou que nous espérons qu'ils vont venir malgré une réticence. Non, des amis, même après 10 ans, on se retrouve et c'est comme si c'était hier. Des amis, ce sont ceux avec qui nous pouvons vivre sans filtre, sans avoir peur, où nous pouvons être nous-mêmes sans avoir peur de blesser. Et parfois même, des amis, ça se brasse la canisse, ça se brasse le cœur. Oui, aujourd'hui, Jésus se rend auprès de ses amis. Aujourd'hui, Jésus se rend auprès de ceux qui ont fait de sa vie aussi une joie. Je vous invite, si ça vous intéresse, à choisir un ami,
même si ça fait longtemps. Trouvez son numéro de téléphone dans un calepin. Prenez le temps de l'appeler. Et si jamais ça se termine en disant « on se reverra », vous posez la question « quelle date, quelle heure, quel endroit ?» Oui, je sais, ça paraît difficile de dire « on va mettre ça dans l'agenda ». C'est tellement plus fun quand c'est spontané. Eh bien, désolé, messieurs et mesdames, mais dans notre vie surchargée, la spontanéité fait souvent défaut quand vient le temps de nos amis. Prenez le temps, rendez-vous. Prenez un rendez-vous dans votre agenda pour aller rencontrer votre ami, vos amis. Faites un événement, faites quelque chose, mais que cette amitié puisse grandir, que cette amitié puisse avoir son sens, que cette amitié puisse exister pour votre bien. Et si vous êtes heureux, alors vous pourrez accueillir l'amour de Dieu avec grande facilité, car vous serez dans l'action de grâce. Oui, louez le Seigneur, c'est lui qui nous permet de nous rencontrer, de vivre ensemble et surtout de louer pour toutes ces grâces qu'il nous donne. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque c'est l'occasion de célébrer la joie, de célébrer l'action de grâce, et de célébrer les amitiés, je vais prendre la prière pour enfant numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous aujourd'hui. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille.
Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer à toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Et tout particulièrement, nous prions pour Jean-Marc Vallée et pour René Simoneau. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tournons notre cœur vers ce Dieu qui nous aime, vers ce Dieu qui veut être notre ami, notre Père, qui veut être avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, eh bien, la voix n'était pas à son meilleur. Bon, pire que les autres jours. Mais tout simplement que, avec la vie, j'aime chanter, même si je n'ai pas la meilleure voix, même si ce n'est pas un concert, même si ce n'est pas de qualité exceptionnelle, j'aime chanter.
Et chanter pour moi, ça m'aide à prier. Alors, pour ceux qui ont eu mal aux oreilles, je m'en excuse. Et pour ceux qui ont apprécié, qui ont voulu chanter avec moi, alors nous sommes dans la communion et nous avons célébré ensemble ce mystère de la communion. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si au soir du grand jour, nous craignons de perdre pied, profitons de ce jour pour apprendre à bien marcher. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Pour qu'au feu du Seigneur, pour qu'au feu du Seigneur, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé.